dance with the joy of Christmas. Lost and aware is the wondrous time of year. Come raise your voice in singing, sing out loud for all to hear. Sing away, sing along, sing a song of Christmas. Lost and aware is the wonderful time of year. C'est Draki 44, je se retrouve pour le My Disney JT du mois de décembre 2014 et on va tout de suite passer à la rubrique News du Parc présentée par Liberty. Salut tout le monde et bienvenue pour cette chronique des news du resort. Nous voilà sur Times Square et comme vous pouvez le voir, c'est la saison de Noël sur Disneyland Paris et cela depuis le 9 novembre 2014. Donc pour cette saison, vous allez pouvoir retrouver deux spectacles, un spectacle d'illumination du sapin sur Times Square et un Disney Dream spécialement conçu pour cette saison magnifique. Donc allez voir lors de vos prochaines visites à Disneyland Paris. Donc aujourd'hui, pour cette chronique, on va parler de deux sujets. Le premier est l'ouverture de la boutique chez Marianne Souvenirs de Paris à la place de Rémy. Donc pour vous rappeler, la place de Rémy a été ouverte en été avec son attraction, l'aventure totalement toquée de Rémy et son restaurant chez Rémy. Donc la boutique chez Marianne Souvenirs de Paris va tourner autour de trois univers Disney, à savoir l'univers Alice au Pays des Merveilles, l'univers Mickey Mini et l'univers Ratatouille avec Rémy et Émile évidemment. Dans cette boutique, vous allez pouvoir retrouver comme un peu partout de la vaisselle, divers éléments de merchandising, mais aussi des éléments gastronomiques français, comme des macarons Mickey à absolument goûter lors de vos prochaines visites au Walt Disney Studio. Le deuxième sujet est tout simplement le début du chantier de Village Nature qui va être livré fin 2016, qui est en fait un village qui se veut d'être la première destination écotouristique d'Europe avec comme par exemple un lagon à ciel ouvert de 2500 m² où on pourra se baigner toute l'année à plus de 30 degrés Celsius. Donc cette construction va être à fait de 90% d'espaces naturels et paysagers pour seulement 10% de logements. Et bien sûr, il y aura des murs végétaux, des bois, parce que c'est quand même un projet qui est fait sur le développement durable. Donc, allez voir, en fin 2016, on espère que ce sera génial comme tout ce que nous propose Disneyland Paris. Et voilà, c'était Liberty pour cette chronique des news du resort. Au revoir Draki, au revoir tout le monde et au mois prochain. Voilà, c'est la fin de ce My Disney JT du mois de décembre 2014. C'est le dernier MDJT présenté par moi-même, tout simplement car je n'ai plus le temps pour le faire. Il y aura peut-être un nouveau présentateur en 2015 qui reprendra le My Disney JT. Vous avez été nombreux, je dis bien nombreux, car vous avez été beaucoup à suivre au fil des mois les MDJT version 4.2. Et je vous dis un grand merci à tous. Merci, un grand merci. Je vous souhaite aussi un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt sur My Disney. Et toute l'équipe de My Disney vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. Bye bye.